C'est avec une dizaine de jours de retard que la moisson 2013 a débuté dans le Maine-et-Loire. Après avoir livré quelques bennes à la coopérative, Christian Grosbois constate que les rendements de ses orges sont en dessous de ses prévisions. Il craint maintenant pour les rendements de ses blés, mais n'a plus d'espoir pour ses colzas. C'est le tout début de la moisson, on ne sait pas. Le PS est bon, autour de 68-69, pour de l'orge c'est bien. Après, le rendement, ça avoisinerait entre les 55 et 60 quintaux, hectares. J'ai pas les chiffres exacts. Quoi. Je m'attendais un peu mieux. Je m'attendais autour de 60, 65, 70. Bon, je suis un peu déçu. Enfin. Je pense que cette année, il y avait un très mauvais départ, mais on a eu une très belle finition au mois de juin avec une grosse pluviométrie, si bien que les blés se sont bien refaits. Mais c'est vrai que la sortie d'hiver, c'était vraiment pas joli. On n'a pas retourné de parcelles, de céréales, on a tout conservé. Bon, il y a des coins de champ où il n'y a pas grand-chose, mais ça c'est dû aux intempéries de l'hiver. Au niveau du blé, je pense que ce sera une année moyenne. Après un très mauvais départ, il y a une belle fin. Bon, je pense qu'on peut s'attendre dans la fourchette des 60-70 quintaux. Et puis cette année, on avait semé du colza 25 hectares, mais avec les conditions climatiques, on a retourné 22 hectares de colza. Il nous en reste presque pas. Ça fait 10 ans qu'on en fait. Quasiment tout retourné, première fois que ça arrive. Ils n'ont pas levé dès le début, ils l'ont levé que vers le 15-20 octobre. Et là, il y a une très grosse pluviométrie, on a ramassé 200 mm en l'espace de 3 semaines à mois. Si bien qu'il y a eu beaucoup de limaces, un excès d'eau, et puis des insectes qui ont ravagé la culture du colza. Christian Grosbois espère maintenant que les conditions climatiques seront favorables pour qu'il puisse commencer la récolte de ses 80 hectares de blé cette semaine.